Bonjour à tous, on est parti. Nouvel épisode de Genshin Impact. J'ai plus que 5 jours après ça, pour ce truc. What? Il y avait un truc? Très bien, bah je prends. Alors oui, je suis censé aller là. Il y a un autre truc juste au-dessus. Attends, mais il y en a partout en fait. Regardez. Et là, ah oui, ça j'y étais déjà allé. Avec Razor, le triple... Triple, je sais même pas comment ça s'appelle. Triple truc que j'active avec Razor. Je vais juste aller check de ce côté-là. Ah, cette musique. Bah tiens, attends. Il y a une grotte là. Par là-bas, il y a quoi? Sur les rochers. Dans le bateau. Non. Par contre, regardez ce qu'il y a là. Ça, c'est étrange. Vallée d'Adopa. C'est au niveau, non? Ah, je peux pas y aller. Très bien, je peux pas. Non, mais arrête! Putain, je vous jure, à chaque fois, c'est ça. Tac. Est-ce qu'une auto-attaque suffit? Non. Là, il y a un petit truc à loot. Oh, juste un coffre ordinaire. Oh, il y a un coffre. Cette fois-ci, je l'ai vu. Je sais que des fois, je suis aveugle. Bon. Des fois, c'est bien d'être aveugle aussi. Ça t'évite d'être déçu. Non, mais en vrai, c'est toujours ça. Putain, il y a un coffre là aussi. Je prends le truc pour aller dans les airs et aller super loin, il y en a un là-bas aussi. Puis en fait, il y a des coffres partout, du coup je m'arrête. Je redescends. Allez. Ah, c'est vrai que ça fait de l'XP d'aventure. Hein. C'est 100% vrai. Alors ça, j'avoue, je sais pas du tout à quoi ça sert exactement, mais ça a l'air d'être un truc plus rare que le reste. Donc je garde. Il y a quelque chose ici aussi. Ah, je suis obligé, c'est sur le chemin, franchement. Résor. Il y a un coffre là-bas. Oh, il y a trop de trucs. Bon. Progressivement. Quand il y a énormément de trucs comme ça, il faut y aller progressivement. Un par un, ne pas s'éparpiller. Vas-y. Oh. Guidé par le vent. Bon, que du vert, c'est pas grave. Et guidé par le vent, du coup... C'est parce que j'ai accompagné un certain nombre de fées. Ouais, 10 fées. Très bien. Du coup, il y avait juste un petit coffre. Je suis approximativement déjà venu ici. Enfin, dans le coin en tout cas. Non? C'est bizarre ça. Regardez. Ah, c'est peut-être plus loin dans le canyon. Astuce de combat. Invincible. Mais non. Ça va. Morceau de cristal, ça a l'air pas mal ça. Hein. Alors là. Herbe à lampe. Bon. Oh. Chasse au trésor. Chasse au trésor. C'est un certain nombre de coffres. Combien? 100. Ok. Bon, il m'en manque un. Hein. Quelqu'un m'avait dit qu'il avait. Je sais plus. 140 peut-être. Dans le coin. Donc effectivement il m'en manque un petit peu. Je crois que je suis déjà venu dans le coin mais... Ça se trouve il ripop les coffres non? Alors évidemment ceux qui se posent la question je ne me spoil jamais. Mais si ça vient d'un commentaire je prends. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pas mal. Nouvelle forme d'escalade. Par contre les couleurs, la luminosité là, c'est... Enfin c'est devenu bizarre d'un coup. Très très étrange. On explorera cette zone plus tard. Ah ouais? Ok. Ça m'évite de me perdre. Eh bien on y est. Normalement je pourrais jouer Lisa. Je crois pas l'avoir test. Non il me semble que je l'ai pas test. On va voir.
magicienne, ça peut être bien. En vrai, ça peut être pas mal. Quoi consiste le travail d'une responsable de la bibliothèque? Montre-nous tes pouvoirs. Je sens... Attends, c'est quoi ça? Non. Je sens qu'elle a des trucs de ouf. Des pouvoirs de ouf. Allez, go. Ouh, sinon ce serait niveau 30. Et même la zone change, je crois. Elle m'a recommandé... Ah! Ça c'est pour moi. Enfin pour Azor du coup. Explore en solo. On est bien comme ça, je pense. Ah oui! Augmente toutes les résistances élémentaires. Ah, nice. Ah oui, du coup, j'avais vu, il fallait flamme pour augmenter l'attaque. Et taux de crit avec double gel. Ouais, non, plutôt flamme. Il faudrait un deuxième perso flamme. Alors. Une zone assez vide. D'ailleurs, c'est très étrange, ce monde. Enfin... Genre, la porte, elle nous téléporte... Dans une zone, mais c'est quoi? C'est un autre monde ou c'est au milieu des montagnes juste? Genre c'est un coin perdu? Très étrange. Oh, des petites plateformes. Ça c'est sympa. Oh oui. Alors. Oh! C'est de la foudre! Ah oui. Ça, ça me plaît, hein. Quoi? Ah si, il y a une petite étincelle qui part, ok. Du coup... Je vous les teste. Je vais attendre qu'il y ait des mobs. Mais... je pense que je vais la laisser dans la team. Hop là. Petit coffre, toujours. Alors, dernière fois, j'ai raté un coffre en haut. Donc, je vais essayer d'ouvrir mes yeux. Non. Bon, ceux-là, je les vois, c'est bon. Ceux-là, ça ira. Un petit blob. Petit slime. Alors. Ça c'est une zone qu'on charge. Et ça fait des dégâts. 15 secondes de délai. Putain. C'est auto-guidé ça? Ah ouais. Propre. Ça me va. J'ai bien envie de tester la zone. Alors ça prend un certain temps. Non mais je sais, ça t'inquiète pas. Non, elle a fait des dégâts considérables. Ok. Combien? 103. Après, elle est pas boost. Hein. Genre mon Razor, il fait du 200, mais il est boost. Il boost de l'infini. Oh merde, j'attends limite. J'ai pas fait gaffe. Je pense que je vais quand même la garder. Hein. En plus, ça fait double électro. Alors, je sais pas ce que ça fait, double électro. On verra ça après. Allez, ça part. Je sais pas s'ils peuvent m'interrompre. Hein. Ah, mais j'aime beaucoup. Je vais la garder. Je sais pas si elle a. Si elle est bien classée. Je sais pas, elle est où dans la tier list. Mais pour l'instant, j'aime bien. Faut que je vois son ult. En fait, c'est une zone qui fait plein de dégâts comme Razor. Mais je sais pas si Razor fait plus mal.
Vu que j'en ai aucune idée. Du coup, j'ai presque mon ult. Bon, j'avoue, si je cherche pas, ça fait rien. Et ça? Oh, une lanterne qui reste. Et qui dépeuple les ennemis, enfin, petit à petit. Faut voir combien de temps ça reste. Après, ça bouge pas. Allez, ça part. En vrai, on va voir. Faut que je la joue un peu plus. Quoi? J'ai pas pu activer mon planeur, j'ai cru que j'allais mourir. C'est bon. Je suis en vie. Putain, je crois qu'il y avait un coffre, je l'avais raté. C'est vous m'avez traumatisé depuis le dernier épisode. Ah oui. Ça balance des accusations. Elle sait qu'il y a personne d'autre à côté d'elle en ce moment. Non, parce que si tu pars d'un point de vue RP, tu vois, elle se parle à elle-même. Bon. On lui en veut pas. Ok, là on parle. Bon, je sais pas c'est quoi le taux de chance d'avoir un truc épique. Sur sa dragon, qu'est-ce qu'ils peuvent lui faire? Qu'ils mettent en colère? C'est à cause du forgeron, ça! Je suis sûr qu'il a oublié de lui crafter un truc. Ça m'étonnerait pas. Nice. On est beau. Très bien. Je sais pas s'il y a des quêtes secondaires. C'est vrai que j'en ai plusieurs, faut que je les dépense. Bonne idée ça. Heureusement qu'elle est là. Acte 1 terminé. Prologue, acte 2. Putain, je suis encore dans le prologue. 8 épisodes. 9, je sais même plus, je suis dans le prologue. Ok. Alors, faire des offrandes, débloquer des points de téléportation, trouver des coffres, terminer des quêtes ou des donjons. Acte 1, tâche ingrate. Au niveau 15. Le voyageur qui attrape à le vent. Alors, J. Ah, oui. Quête d'histoire.
Oh mais attends, mais il y a plein de trucs là. Tâche ingrate, et c'est quoi ingrat? Voir les quêtes du monde. Ah, quête du monde. À la guide des aventuriers, oh oui. Oh ça je veux. Mission quotidienne n'est pas encore dispo. Donc c'est ça. Alors attends. Là j'ai quoi? J'ai niveau d'aventure 10 requis. Donc ça c'est la vraie quête principale. Pavot au Célus. Je... Vous tombez sur Keia. C'est des quêtes secondaires. Non. Parler à Amber. Ça, c'est la quête secondaire. Enfin de... On va dire de l'arc Keia. Ça c'est pour Amber. Et ça pour Lisa. Ok c'est bon. Et ça c'est les quêtes secondaires du monde. Très bien. Attention, niveau 10 requis, donc il faut qu'on fasse autre chose. Soit Keia, soit Amber, soit la guilde des aventuriers. J'ai bien envie d'aller check la guilde des aventuriers.